Salut Zico, ici Franck Medrano et dans cette vidéo je vais jouer un solo composé de deux morceaux bretons. Alors le premier morceau c'est un andro très connu. Alors le nom, il n'y a pas de nom en fait si vous voulez, enfin il y a sûrement un nom mais les morceaux bretons c'est des thèmes souvent joués. C'est répétitif donc il n'y a pas vraiment de nom pour celui-là, de toute façon il est très connu, vous allez l'entendre. Vous allez vous dire, ah mais oui, je connais ce morceau. Le deuxième morceau, c'est un Loudiac que j'avais déjà joué dans une vidéo précédente. Mais du coup, là, je refais une nouvelle version un peu plus propre. Et j'espère que vous remarquerez une différence de qualité de son. Peut-être là, ça ne s'entend pas quand je parle, mais quand je vais jouer, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une meilleure qualité. Tout simplement parce que maintenant, j'utilise un Zoom. Donc voilà, Zoom H4N. C'est vraiment un super truc, ça, pour enregistrer. C'est un mini studio d'enregistrement... Donc c'est vraiment pratique. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et voilà, avec un logiciel de montage sur l'iPhone, du coup je peux faire des vidéos de meilleure qualité. Donc j'espère que vous apprécierez. Voilà, bah, je vous fais écouter le morceau. C'est parti. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des likes si la vidéo vous a plu. À vous abonner toujours, ça fait très plaisir. Et mettre des commentaires aussi si vous avez envie. Et du coup, si vous voulez apprendre aussi ces deux morceaux, ils sont vraiment pas très durs. C'est des morceaux bretons. Techniquement, au niveau des doigts, les morceaux bretons sont un peu peut-être moins complexes. Il y a moins de mouvements rapides comme la musique irlandaise. Par contre, la difficulté de la musique bretonne, c'est surtout dans l'expression. Il faut vraiment faire vibrer ses notes et tout, montrer qu'il y a de l'émotion. C'est ça la difficulté surtout. Il faut ressentir le morceau, il faut le chanter, il faut le danser, voilà. C'est une musique assez énergique aussi. Donc, si vous voulez apprendre les morceaux, je vous mets le lien ici pour le premier morceau, c'est un andro. Donc, si vous êtes débutant, allez-y, hein, celui-là est vraiment génial. Hein, c'est un morceau très connu, vous serez content de le jouer, je pense. Je vous mets le lien ici. Et deuxième lien, juste un peu en dessous, pour le Rondoudéac, une version toujours... mais là, je joue en Do,
aussi. Donc dans les tutos, je jouerai en ré pour que ce soit plus facile pour vous, que ce soit la bonne tonalité. Voilà, merci de m'avoir écouté et à plus, à tout de suite.